Mon cher, nous là, parce que, en général, la révolution agricole qui est lancée, hein, et que pendant que nous avons fouillé le canal, nous avons préparé le terrain, et nous disons que dans le même moment, ça va pas parler avant là. Nous avons du riz qui commence à sortir. Et que nous là, nous avons plein de Bamaribaoua, où est-ce que ce terrain qui a préparé, non seulement pendant que nous avons préparé le terrain, nous avons préparé la route agricole, nous avons préparé le pont, pour que un pont agricole pour à ce que lorsque le produit sort une fête, pour rejoindre une route, pour traverser, non seulement pour y aller à Namet, pour y aller à la Liberté, mais tout pour y aller une fois encore que au Cap et tout ça. C'est-à-dire que malgré autant de grève, eh nous-mêmes, nous n'en plein non, nous pas camper. Parce que si on paraît dans trois pleins là, où est-ce que nous commençons à mettre des matériaux à terre pour nous faire pont. Et ça, c'est même une fierté. Parce que nous regardons depuis que le pays existe, pas jamais de pont qui fait sous rivière trois pleins. Eh bien, encore que le comité canal là, de concert avec Moun Wanamet, Moun Bamaribao, de concert avec tout le monde dans la diaspora, eh bien encore, nous parlons jeter un pont deux voies, côté que deux gros camions qui passent sur les travail ça on a fait. Parce que nous n'avons pas de boulot de caoutchouc, et bien nous n'avons pas de question de travail lié. Et ça fait qu'une fois que nous, pendant notre temps, nous avons fait complètement, nous avons préparé la porte déjà pour que nous mettions sous bouche canal massacre là, Vanio, et que pour nous commencer la guerre de loi, et bien encore, un pile terrain, commencer à préparer. Donc le terrain ça, et que ce n'est pas dit qu'il parle là-dedans, mais c'est banane, et que maïs, manioc, pissage qui parle là-dedans. Mais le regard du terrain par ici, c'est du riz qui parle là-dedans. C'est comme ça la question est. Et partout l'ordre de cette pleine, où il y a des milliers de carreaux de terre qui ont préparé. La seule chose que nous avons toujours des carences matérielles agricoles, carences matérielles pour nous préparer la terre. Et ça que nous dit que c'est un bel business lié, que les gens capable venir investir là-dedans. En d'autres termes, encore nous dit que dans pile terrain pour vendre, il y a des gens qui ont besoin de terre achetée, que terre pour faire du riz, que terre pour planter banane, pour planter manioc, ils sont capables de briller. Pasteur Moïse, et nous accompagné, nous avons aidé. Numéro c'est 33 60 20 83. 33 60 20 83. Pasteur Moïse, c'est un nom qui est très viral sur le réseau dans ce moment-là, puisque c'est un membre d'un comité de gestion canal Irrigation Rivière Massacre. Il y a tout le monde qui a connu un trajet Pasteur Moïse, et qui ça Pasteur Moïse lui-même lui fait à part de l'éducation évangélique, tout ça. En général, que moi-même, moi, c'est un homme d'affaires, moi, je suis économiste, moi, je suis des sciences économiques. Et c'est juridique à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Et que moi, je suis notaire public aux États-Unis, je fais real estate et je fais théologie aux États-Unis, moi, je suis investisseur. En général, que moi, c'est un monde qui remet jardin. En général, que c'est grâce à business nous tous, que nous sommes capables de joindre des moyens pour nous mettre à la disposition pour fouiller le canal, pour accompagner le canal. Et en termes de que pendant que nous avons les mondes venus, nous sommes le premier monde qui doit commencer avec l'agriculture, parce qu'il est écrit que la charité bien ordonnée commence par soi. Par soi-même, et c'est pour ça, pendant une minute, même que je parle avec vous, nous dit que nous avons environ deux carreaux de terre en du riz qui commençaient à sortir dans 22 jours après pour nous manger du riz pays, du riz organique. Mais actuellement, là, dans pleine Bamaribaoua, nous avons fait de 30 carreaux que nous avons planté du riz là. Ça veut dire que parce que pas de campé et nous déterminer dans un an pour nous gagner pleine Bamaribaoua et Romaribaoua très vite. Nous continuons à remercier une fois qu'on diaspora, nous continuons à remercier chaque grain haïtien. C'est vrai que nous, le gouvernement, nous n'en pas avec nous, c'est un pile détail, mais nous continuons à prier parce que nous connaissons qu'avec Dieu, nous ferons bien sûr des exploits. Il écrasera bien sûr nos ennemis. Sentiment tellement bien pour moi-même, il fait me dans la joie. Pour qui ça? Parce que nous dit que moi, en pleine année, je viens planter, je considère comme un plaisir pour moi, comme une distraction. Parce qu'avant, pas qu'on vive de l'agriculture. Parce que moi, j'ai un businessman, j'ai un métier, c'est-à-dire que je considère lui comme un plaisir, un bagage que je remets. En tant qu'économiste, ce que nous connaissons, bien que il y a trois types de biens. Il y a des biens de première nécessité, il y a des biens semi-durables et des biens durables. C'est un crime, un pays, à acheter manger dans une autre nation. Non seulement, l'on prend 15, 30 milliards de dollars par mois pour acheter du riz, pour acheter l'autre bagage, quand on finit manger, l'on aller dans un petit caillon porte et puis là, on s'affiche, fini. Et surtout, pas rien qu'on veut vendre. Tout pays, pour avancer, il faut que vent tout dépend de vous-même. Premièrement, non seulement vous économisez, mais deuxièmement, tout que les vent tout, c'est vous faire manger, et bien quand l'aide bien, pas qu'à empoisonner. Parce que je dis, comment vous voulez comprendre que Dominique est tellement raillé, nous, même dans le sang, il y a des sida pour nous. Allez voir que si vous n'avez pas acheté farine dans mes même gens que vous mettez produit dans la farine, de vous commencez à manger le fort, et autres qui gagnent, c'est que c'est une nécessité, c'est une urgence. Et ça que nous fait appel à tout le monde pour entrer dans l'agriculture. Et même en Haïti,
nous disons que la question élevage des blancs, les deux camper parce que selon la loi rurale de 1960, eh bien encore que ce n'est pas monde qui a fait jardin pour qu'il barre terre, mais c'est monde qui a bête là pour qu'il barre terre li, ou bien encore mettre bête li dans le code parce que pour que jardin soit capable de faire parce que le monde qui a des grandes quantités de terrain que vous voulez planter, mais cependant que est-ce que vous êtes capable de dépenser toute l'argent ça pour barrer terre au tien, laisser la palle trois coûteux pour vous, nous voulons que plus que vous n'avez retourné la terre, pour vous garder, pour vous commencer à faire ce cas, ou bien encore mettre bête dans le code pour que une fois encore que dans un an, nous connaissons que Nord-Est qui est responsable moitié en Haïti dans matière de manger dans produits agricoles et surtout encore produits organiques qui fait sans produits chimiques. Et couramment parlant, et nous sommes capables de dire au niveau du secteur éducatif en Haïti, hein, nous avons des professeurs des fois qui ont profané les gens de agriculteur et mon jardin. Qui message va vous faire? Le message que je vous avez faire, c'est que vous même vous égaré. Voilà. Sous mon sauté, ça, yon agriculteur qui travaille, li kap 5-6 professeurs. Ça, c'est yon. Deuxième, encore, c'est yon ignorance. Pourquoi ça dit yon ignorance? Lorsque vous avez sous ta bon roi, qui soit manioc, fig, banane, tout ça, yon sorti dans la terre, ou pas kap nué, bagay qui crée existence ou. Professeur, elle l'a minimisé, yon paysan qui travaille la terre. Pendant ça, elle l'a marché, ça l'a chier que tu sorti. Ok, c'est dans la terre que vous sortez. En général, nous considérons ça comme une ignorance. C'est un monde qui a mangé du riz, qui a parlé mal, qui a planté du riz à mal. Et bien que nous considérons que nous regardons un monde qui a demi-perdu tête, qui ne peut pas comprendre rien à rien. Parce que tout ça, n'importe qui a mangé, il sortit dans la terre. Au contraire, c'est à encourager et à féliciter le monde qui a travaillé dans la terre. Et nous avons un jeunesse qui finit à dégringoler. Il y a trois canaux qui sont lagués dans ça, qui sont en débauche et respirent. Digitaliser et puis quoi dans un travail bureau qui conseille ta côté vous jeunes. Très bien. Et moi-même dans l'église que nous dirigeons, nous encadrer jeunes qui sont capables. Au contraire que nous gagnons avec nous, non seulement pendant notre travail, nous cherchons terrain pour tout, pour y avoir travail, nous commençons content, nous commençons à faire budget, parce que nous commençons à avoir une idée de l'agriculture là, nous commençons à connaître que si vous plantez 30 talers de terre endurie, nous avons fait une provision, combien la baillot dans 3 mois. Ça veut dire qu'on a senti que ça est capable de récolter dans 3 mois, dans 20, 30 talers de terre. On va dire qu'on nous dit talers, parce qu'il y a un carreau qui a 16 talers là-dedans. Il y a un web. Et bien, ce travail, ça que nous avons fait, non seulement sur l'Internet, mais tout dans la station radio que nous gagnons pour nous encourager, pour nous dire que c'est bien pour travailler la terre, de travailler la terre. Parce que moi-même, non seulement que j'adore que nous avons fait que moins payer le travail, mais c'est un plaisir et tout pour me retirer pied, pour me mettre dans la boîte, pour nous travailler tout. Parce que le travail même, c'est un sport payé. Est-ce que nous sommes capables de dire que Pasteur Moïse est un soldat et sous champ de bataille pour garder la souveraineté alimentaire? Oh oui, il est clair, il est tellement clair parce que nous connaissons que à cause de bien, son bagage que vous ne devez pas comprendre, pour pas nous avons fait bien et puis il est digne de mort. Et bien encore, mais c'est ça que lié, c'est même genre que nous voyons que Abel a fait bien, il était digne de mort. Et tant d'autres encore que tu as fait bien d'être digne de mort, en général que nous connaissons nos mêmes pays, nous, après nous faire 15 ans aux États-Unis, nous retournons la caille, nous, et bien pendant que nous fait bien, nous connaissons qu'un pile de monde qui n'est pas d'accord bien, un pile de monde qui n'est pas d'accord pour nous produire manger, un pile de monde qui t'a remis tout que, en termes de que c'est eux qui t'as supposé que coordonnateur canal massacre pour que ça ait cotisé pour gaspiller, c'est que l'ennemi nous augmenter par rapport à bien que nous avons fait. Mais nous comptons sur mon Dieu, parce que c'est là qui est avec nous les plus grands, que c'est là qui est dans le monde là, parce que Dieu ne peut jamais dormir, Dieu ne peut jamais abandonner le monde qui allait nous croire que nous-mêmes tous nous avons fait fidélité nous pour qu'une fois que Dieu a levé nos dignités et l'a protégé nous et victoire c'est pour le monde qui travaille avec mon Dieu. Le plus gros problème paysan surtout dans pleine Bamaribao c'était de l'eau, route agricole et puis centre financier. Nous avons un moyen ça qui a un rapport avec l'eau et route agricole nous avons commencé par elle tout et qui ça gagne en termes de pour semencier très bien pour cette semencier nous gagnons moi même monde qui proche de moi. Nous n'avons pas faire grand chose. Nous avons regardé pour nous comment nous aider à jouer une semence en attendant. Mais nous avons des recherches que nous avons fait à d'autres personnes qui viennent à la semence là. Par exemple, que au cabaye nous avons un crédit et que les produits à récolter, les baoules et autres. C'est ça que nous avons fait. Pourquoi pas nous ce travail, ça que nous avons fait. Parce que non seulement semence là, mais même pour préparation terrain, yo, en termes de que nous avons besoin des prêts. Parce que le terrain est capé là, par exemple, pas gagné. Et nous avons un volume de ça devant, ou pas faire là la main encore. Ou besoin de machines agricoles comme même pour faire. C'est-à-dire que nous avons un groupe de pasteurs à l'étranger qui parlait que
dans les jours à venir, vous pour voir comment vous pouvez mettre un microcrédit dans la zone pour aider les gens qui ont une banque agricole. Nous avons encouragé tout ça, pour nous encourager tout le monde à venir investir dans l'agriculture, parce que l'agriculture a l'argent là-dedans. Dans tout le pays du monde, c'est grand nec qui investit dans l'agriculture et de pour faire le bien. Et bien, on connaît que chaque 3 mois ou chaque 4 mois, vous avez un profit direct capable de nous. Surtout, ça que nos produits en Haïti sont organiques et produits organiques, ils sont recherchés au niveau du monde entier.